Vous, est-ce qu'il y a des gens qui utilisent déjà CryptPad, qui connaissent? Non? Donc tout le monde est nouveau, vous découvrez. Ok, super. Et ben donc je vais vous présenter CryptPad, qui est une plateforme 100% chiffrée et qui a pour objectif de vous donner des outils qui respectent la vie privée. Alors, hop. Donc qui suis-je moi? Donc moi je suis Ludovic Dubos, je suis le fondateur de XWiki. XWiki, c'est un spécialiste du collaboratif. Ça fait 15 ans qu'on fait du libre. On en vit à 100% de notre temps. Et j'ai aussi un fort intérêt pour le financement indépendant du libre, pour ceux qui ont pu écouter la confrière. Vous avez dû le voir. Je suis aussi membre du CA d'Open Food Facts, sans être très actif, juste pour aider cette organisation que j'aime bien, donc j'en parle. Si vous ne connaissez pas Open Food Facts, c'est une base de données libre de produits alimentaires, et c'est une application que vous pouvez installer sur votre téléphone mobile, et je vous invite à l'installer et à soutenir leurs actions. C'est une association loi de 1901. Vous pouvez aller voir mon blog et mon compte sur Mastodon ou sur Twitter. Alors, le problème qu'on traite un peu avec CryptPad, c'est qu'en fait, il y a un constat qu'on fait, c'est qu'on génère de plus en plus de données. Et en particulier, on les génère de plus en plus sur le cloud. C'est-à-dire que notre usage des ordinateurs, des téléphones, fait qu'on crée de plus en plus d'informations. Et cette information est de plus en plus à distance. Elle n'est pas sur nos appareils. Elle est de plus en plus mise sur le cloud. Avec une vie qui devient principalement digitale. Et on utilise de plus en plus de services en ligne, que ce soit pour communiquer ou travailler, ou dans la vie personnelle et dans la vie professionnelle. Alors la question c'est pourquoi faudrait-il chiffrer les données? Ben, en final c'est une histoire de confiance est-ce qu'on peut faire confiance aux entreprises? Ben, le constat qu'on fait c'est que le business model dominant du web aujourd'hui c'est l'exploitation des données qu'on laisse traîner sur internet. Donc ces données sont utilisées tous les jours soit pour de la publicité, soit pour comprendre mieux, voire pour faire de la politique et comprendre comment ce que pensent les citoyens ou comment les manipuler. C'est ce qu'on a vu avec le cas de Cambridge Analytica où des données de Facebook ont été utilisées pour manipuler à base de publicité ciblée les citoyens en leur disant ce qu'ils voulaient entendre et les faire voter dans une certaine direction. Un autre aspect, c'est est-ce qu'on peut faire confiance aux entreprises pour protéger nos données? Donc au-delà, supposons qu'elles ont toutes les meilleures intentions du monde, est-ce qu'elles sont effectivement capables de protéger nos informations qu'elles stockent? Ben là, on voit que tout régulièrement, on va entendre parler de hacking, de données qui sont volées, et on ne sait pas ce qui devient de ces données. Un autre aspect, c'est est-ce qu'on peut faire confiance à l'État lui-même pour protéger nos données? Ben, ce qu'on voit, c'est que même l'État, lui, il est très intéressé de tout savoir. C'est-à-dire qu'il aimerait bien pouvoir suivre tout ce qui se passe sur Internet. Alors, officiellement et principalement en disant c'est pour nous protéger du terrorisme et pour nous assurer notre sécurité. Après, donc on met en place tout un tas de systèmes où finalement l'État lui-même est très intéressé de récolter des données. Alors l'État français, l'État américain, et puis on a vu ce qui s'est passé avec les révélations de Snowden où finalement ils n'étaient pas censés traquer et suivre ce que faisaient les Américains et ils le faisaient. On a des exemples, donc Cambridge Analytica j'en ai parlé, où là récemment en ce moment il y a un projet de loi pour traquer les fraudeurs fiscaux sur Facebook et exploiter les données, donc faire des bases de données, des informations sur les citoyens. Alors le problème c'est pas forcément l'intention en disant on va essayer de traquer des gens qui volent le fisc, pourquoi pas, c'est pas bien de voler le fisc et il faut payer des impôts. Le problème c'est qu'on a créé une base de données, une fois qu'elle est là, une fois qu'elle existe, qu'est-ce que pourraient en faire d'autres personnes? Est-ce que effectivement elle sera utilisée que pour ça? Est-ce qu'elle pourrait pas se mettre à être utilisée pour tout et n'importe quoi? Et surtout si un gouvernement qui n'est pas démocratique à un moment donné passe aux élections, il a un tas d'outils à sa disposition pour faire un mauvais usage de l'information qui a été mise en place.
Est-ce qu'on peut faire, donc un autre aspect, c'est est-ce qu'on peut faire confiance à un hébergeur particulier, donc pas une grande entreprise, pas Facebook, pas Google, mais un petit hébergeur. Alors, il y a les chatons qui vous, on nous propose de gérer de l'hébergement indépendant, de faire du self-hosting soi-même. Est-ce que finalement, on peut aussi faire confiance à un petit hébergeur? Alors, moi, je lui donne tous les petits hébergeurs, ou même moi-même, qui héberge un service Internet sur mes propres serveurs, il a toutes les bonnes intentions. Et il veut faire, il veut pas exploiter les données, il va les héberger de façon clean. Le problème, c'est que faut-il réussir à les protéger? C'est-à-dire, il faut réussir à les protéger, et donc, est-ce que soi-même, on est capable de protéger son propre serveur? Il faut voir qu'un des arguments principal des grands acteurs cloud, type Salesforce, Google et compagnie, c'est de dire « Ouais, non, mais mettez vos données sur le cloud, parce que de toute façon, vous ne savez pas sécuriser les données, nous, on sait faire. Et on va mettre des firewalls, on va mettre des super trucs, on a des super ingénieurs qui vont surveiller tous les serveurs. » Et ils n'ont pas complètement tort, c'est un argument qui marche. C'est-à-dire que les entreprises, quand elles voient leur propre capacité à protéger leur système informatique, elles se rendent compte que c'est pas facile du tout et que ça peut être difficile. Donc c'est pas si simple de faire confiance à un petit hébergeur ou même à soi-même pour monter son propre serveur et dire je vais mettre mes données sur mon propre serveur. Et alors le truc c'est que ce qu'on se rend compte c'est que on pourrait chiffrer les données. Et on ne le fait pas tellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on chiffre les données entre les serveurs, mais une fois qu'elles arrivent sur un serveur, en général, on les laisse telles quelles. Dans toutes les applications, quasiment toutes les applications, une grande majorité des applications qu'on va mettre sur des serveurs vont laisser les données en clair. Alors parfois, en partie pour des bonnes raisons, c'est que ça fait partie du service que rend l'application. Elle a besoin de pouvoir lire les données pour, par exemple, faire un moteur de recherche. Et en fait, si un moteur de recherche sur des données chiffrées, ça ne donne pas des bons résultats aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, on pourra faire des choses. Il y a des recherches dans ce domaine pour essayer de faire des choses là-dessus, mais c'est compliqué. Donc les applications, en particulier pour faire du réseau social, mettre en contact les gens, il a besoin de lire les données pour décider de mettre en contact les gens. Nous, ce qu'on veut faire, c'est de construire des applications qui vont faire des fonctionnalités très avancées, mais ne vont pas avoir besoin d'avoir les données en clair sur le serveur. Donc c'est ce qu'on appelle le zero knowledge. Alors c'est un terme qui n'est pas toujours aimé par tout le monde, parce qu'il fait référence à des travaux de recherche, les zero knowledge proofs, qui sont autre chose. Là, on parle de zero knowledge, on parle d'un serveur qui ne connaît pas les informations, qui n'a pas connaissance des informations sur lesquelles il travaille. Donc un logiciel ou un service cloud qui ne peut pas lire les données et peut lire le moins de métadonnées possible. Alors je dis le moins possible, parce que c'est quasi impossible de ne pas en avoir, des métadonnées. C'est-à-dire qu'on a au minimum l'IP aujourd'hui. Sauf si on mettait un réseau comme Tor entre le serveur et le client, et là, on va avoir moins d'informations sur l'ordinateur qui vient. Mais on va avoir au minimum les données du protocole HTTP qui va nous dire quel est le navigateur que la personne utilise ou ce genre de choses. Donc on dit un service zero knowledge, c'est un service qui va minimiser les quantités de données. Alors, il peut y avoir différents niveaux. On peut imaginer de chiffrer que les gros paquets de données, mais on ne va pas chiffrer les métadonnées. Par exemple, je ne sais pas si vous considérez une information qui est une tâche, il y a quelque chose à faire. On pourrait chiffrer juste le texte de la tâche, le titre, mais on ne chiffre pas la date qui est censée faire la tâche, etc. Donc il y a des applications qui vont chiffrer des données en chiffrant une partie. Quand on parle de zero knowledge, c'est qu'on va vraiment essayer d'aller au maximum et chiffrer la totalité de l'information qui est échangée avec entre les utilisateurs. Donc on chiffre de bout en bout, ça veut dire que s'il y a deux utilisateurs et il y a un serveur au milieu, elles sont chiffrées sur l'ordinateur du premier utilisateur et elles sont déchiffrées sur l'ordinateur du second utilisateur. On ne transmet pas les mots de passe, les clés privées des informations sur le serveur. C'est vraiment la capacité de déchiffrer est uniquement sur les ordinateurs des participants, et donc seuls les utilisateurs qui ont les clés de chiffrement et de déchiffrement peuvent déchiffrer les données et les chiffrer pour les envoyer à l'autre utilisateur. Alors il y a quelques services dans ce domaine, donc des services de partage de contenu, par exemple Pwn, c'est un petit service où vous pouvez faire un copier-coller d'une information, vous la mettez, vous créez une URL
et la donnée, elle est chiffrée sur le serveur. Donc c'est un peu comme, c'est pastebin, mais version chiffrée. Donc l'information sur le serveur reste chiffrée. Ben, je vous conseillerais d'utiliser ce type de service plutôt qu'utiliser la version non chiffrée. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'on y met dans un petit copier-coller. Des services mail, alors c'est là où justement il y a une différence entre un service mail qui est zero knowledge, ce n'est pas uniquement un service mail qui chiffre l'email. C'est un service mail qui chiffre la boîte mail entière. Et les dossiers que vous avez dans votre boîte mail. Et elle ne chiffre pas uniquement l'email qui va être envoyé sur Internet à une autre personne. Elle chiffre la boîte mail. Donc si on reçoit un mail non chiffré, bah, il va peut-être se balader non chiffré jusqu'à la boîte mail. Et quand il rentre dans la boîte mail, il rentre dans une boîte chiffrée que uniquement on peut lire. On va pas uniquement chiffrer les échanges de mails. Des messageries type Signal, Wire, sont chiffrées. Du réseau social, il y a des outils comme Scuttlebutt ou Patchwork qui sont des réseaux sociaux chiffrés. C'est-à-dire que vous pouvez vous envoyer des messages dans un réseau chiffré. Des gestionnaires de mots de passe, alors j'encouragerais tout le monde à utiliser un gestionnaire de mots de passe. Là, une des premières choses qu'on protège mal, c'est ces mots de passe. Les mettre dans une base de données chiffrée et d'être les seuls à pouvoir y accéder. Alors, nos navigateurs nous fournissent une base de données chiffrée de mots de passe. Voilà, je conseillerais plutôt, évidemment, d'utiliser celle d'un service dont on a plus confiance. On ne sait pas toujours... Donc, on doit faire confiance à l'acteur qui nous fournit le système de chiffrement. Il y a des services... il y a des sites en ligne comme Prince Break ou Privacy House... ou même Protège-moi sur Internet, qui liste des services chiffrés. Donc, vous pouvez rechercher alternatives chiffrées, alternatives privacy. Alors, dans ces services, parfois, vous avez des services chiffrés, parfois, vous avez juste des services en self-hosting, des logiciels que vous pouvez installer pour contrôler vous-même votre donnée, parce que c'est une façon aussi de protéger sa vie privée, de faire du self-hosting et d'installer les serveurs chez soi. Il peut y avoir les deux types d'applications. Moi, je vais parler donc de CryptPad et de ce que nous on fait au niveau de ce système. Alors, qu'est-ce qu'apporte CryptPad ? Ben, c'est d'apporter des outils de collaboration qui soient entièrement chiffrés. Donc, on se base sur le principe de chiffrer un document. Et on va apporter à la fois de la vie privée et de la sécurité et du collaboratif. Donc on va viser à essayer de faire les fonctionnalités, dont on a besoin pour collaborer sur de l'information en ligne. Ça correspond en gros aujourd'hui à Google Docs ou Dropbox. Plutôt Google Docs que Dropbox. Dans Dropbox, on met plutôt juste des fichiers, on les édite pas à plusieurs, on va plutôt les poser pour que quelqu'un les récupère. Donc plutôt Google Docs où on peut se retrouver à éditer en même temps des informations. Mais on va plus loin, on a un Kanban, donc ça correspond à Trello, par exemple, que vous pouvez utiliser sur Internet, et qui chiffre pas. Dans CryptPad, il y a un Kanban qui est chiffré. Et on va chiffrer les métadonnées de la collaboration. Alors, c'est quoi les métadonnées de la collaboration ? Les métadonnées de la collaboration, c'est le fait d'échanger un document. Je vais échanger ce document-là avec l'autre personne. Bah, dans CryptPad, quand vous dites « je veux partager ce document avec telle personne », c'est une fonctionnalité qui a été faite cette année, qui n'existait pas l'année dernière, bah, vous allez envoyer un message à l'autre personne et là, vous allez aussi avoir un échange chiffré qui va se passer, que le serveur ne pourra pas lire et ne saura pas qu'un document a été échangé entre ces personnes. Alors, un point qu'on essaye, c'est qu'on essaie de rester simple et de faire un outil qui soit simple à utiliser. Donc, tous nos utilisateurs, d'ailleurs, n'utilisent pas CryptPad parce qu'il est chiffré. Certains de nos utilisateurs ont juste connu CryptPad comme un outil pratique et ils l'utilisent parce qu'ils le trouvent pratique. Mais notre goal et notre objectif, c'est d'essayer de fournir une alternative aux solutions qui ne sont pas chiffrées et en essayant d'avoir le maximum de fonctionnalités petit à petit et les maximums de choses que les gens demandent dans ce domaine-là pour faire de la collaboration chiffrée. Alors, ce qui est intéressant avec CryptPad, c'est que ça va au-delà de ce que nous on fournit, c'est que c'est aussi une nouvelle approche pour le développement d'applications. C'est-à-dire que ce qu'on a mis en œuvre, c'est une nouvelle façon de faire une application de la construire différemment. Et donc, je vais parler un peu de ça. Alors, on a quelques algorithmes dans CryptPad, on a quelques algorithmes spécifiques à la problématique de collaboration chiffrée.
Donc la première chose, et c'est ça qui est la base de CryptPad au départ, c'est que un document est chiffré et donc il a une clé. Alors ce qu'on a fait pour que ça soit simple, c'est qu'on a mis la clé dans l'URL. Alors les gens vont nous dire tout de suite, ah ouais, ben, si elle est dans l'URL, elle va être connue. Alors non, on la met dans l'URL après le dièse, après un dièse dans l'URL. Et dans le protocole HTTP, tout ce qui est après dièse dans l'URL n'est pas transmis au serveur. En fait, le reste sur le client. Et donc, le serveur, lui, reçoit que la partie de l'URL qui est avant ce dièse. Donc, en fait, ça ouvre le document. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que l'information qui est après le dièse va contenir une adresse d'un document. Donc, ça va correspondre à un fichier sur notre serveur qui contient des données qui sont chiffrées et va contenir aussi, dans une deuxième partie, la clé de chiffrement et de déchiffrement. Donc c'est une clé symétrique pour lire l'information qui est dans ce fichier. Donc ce qui va se passer, c'est que le programme JavaScript qui est chargé à ce moment-là, on récupère un programme JavaScript, il va s'adresser au serveur pour lui demander les données correspondant à cette première ID, alors qu'on peut pas deviner, hein, c'est-à-dire c'est un chiffre aléatoire, mais et qui de toute façon ne donne que des données chiffrées et qui vont être déchiffrés avec la clé. Donc la première ID va être envoyée au serveur pour demander les données, par contre la deuxième partie de l'ID va pas être envoyée au serveur et correspond à la clé de déchiffrement. La deuxième chose, c'est qu'on a un algorithme spécifique pour traiter, on a plusieurs algorithmes pour traiter les données qu'on va trouver dans ces documents chiffrés, et pour construire en fait un document. Donc en fait on va pas y trouver, dans le fichier qu'on va récupérer, on va pas y trouver le document tel quel. Ce qu'on va trouver, c'est un historique d'un document. Et donc, c'est en gros des patchs qui reconstruisent l'historique du document. Et on a des algorithmes qui vont recréer le document à partir de ces patchs. Alors, régulièrement, en fait, tous les 50 patchs, on met un document complet et on chiffre le document complet qui est stocké de nouveau sur le serveur de façon chiffrée. Et ça, c'est pour améliorer la performance du système. Alors, pourquoi on fait ça ? Parce que, en fait, c'est ce même système qui va permettre à plusieurs de modifier le document. En fait, à chaque modification qui est faite par une personne du document, qui participe à la session d'édition d'un document dans CryptPad, on va fabriquer les différences entre le document, l'état du document au moment de commencer l'édition, et puis l'état du document une fois qu'on a tapé quelques caractères. On va fabriquer ce patch, on va le chiffrer, on va l'envoyer sur le serveur. Le serveur, il va stocker ça. Puis si quelqu'un d'autre fait une modification après ou en même temps, il va faire la même chose. Donc on peut recevoir des modifications simultanées. Ces deux patchs peuvent rentrer en conflit. Et l'algorithme qui est dans CryptPad, les algorithmes qui sont dans CryptPad, parce que ça dépend des types de documents, va reconstruire et fusionner les changements pour obtenir le document complet et tous les utilisateurs vont arriver au même résultat. Donc on a un algorithme de synchronisation de documents et de changements qui sont faits dans CryptPad. En finale, on a tous le même document et si un nouveau changement est fait, c'est un nouveau patch qui est envoyé sur le serveur. Donc CryptPad, un serveur CryptPad, il stocke des bouts de documents chiffrés que l'algorithme sait reconstruire pour arriver à un document final. Et tout dans CryptPad est basé sur ces algorithmes, que ce soit un document WYSIWYG, un document de texte, un Kanban, ou même votre drive qui contient la liste de vos dossiers et de vos documents que vous stockez sur CryptPad. Lui-même est un document qui fonctionne avec le même algorithme. Donc si par exemple je crée un dossier dans mon drive, dans CryptPad, on va créer un patch, on va l'envoyer au serveur pour qu'il soit stocké. Si on est sur un autre ordinateur, qu'on ouvre le même drive, on va récupérer le document. On a aussi des algorithmes spécifiques pour pouvoir inclure un document dans un autre. Donc, par exemple, une des choses dont on a besoin, c'est que ici, par exemple, c'est une présentation qui est faite avec CryptPad, et en fait, il y a une image de fond qui fournit les logos qui sont sur l'écran. Cette image de fond, c'est un document qui est dans mon drive
et qui est intégré à mon document de présentation. Donc c'est deux documents séparés, un qui contient l'image, un qui contient la présentation, et un document utilise l'autre. Donc on a un mécanisme pour pouvoir inclure un document chiffré dans un autre document chiffré. Et donc de faire des documents composites. Alors ça peut ouvrir des possibilités assez intéressantes dans le futur, c'est que si par exemple on voulait faire un blog chiffré, eh ben, on voudrait faire une page qui contient la liste des articles du blog. Et donc un document qui contient la liste des articles qui sont dans le blog. Et donc ça serait un document qui contiendrait 5, 6, N documents qui sont contenus dans le système. Un autre aspect, c'est qu'on a un système pour l'authentification qui est assez particulier et finalement quand on regarde comment il fonctionne, on se dit mais pourquoi finalement les systèmes d'authentification aujourd'hui ils fonctionnent pas comme ça. Aujourd'hui quand vous connectez sur un service en ligne, vous envoyez votre mot de passe à ce service en ligne. Donc vous donnez votre utilisateur et votre mot de passe, vous envoyez ce mot de passe à ce service en ligne et il va le vérifier. Alors parfois il le vérifie en le comparant directement à un mot de passe et à une base de données. Bon, ils ont amélioré un peu la situation, ils n'ont pas stocké votre mot de passe directement, ils ont stocké un hash du mot de passe pour ne pas stocker exactement le mot de passe. Mais ceci dit, vous l'avez quand même envoyé. C'est-à-dire que sur les serveurs du service en ligne, il peut voir un programme pourrait intercepter les mots de passe et regarder, dire, bah, tiens, je connais un mot de passe de l'utilisateur. Alors le problème, si on utilisait des mots de passe différents sur tous les services en ligne, à la rigueur, on s'en fout. Mais le problème, c'est que c'est pas ce qui se passe. C'est que la plupart des gens utilisent des mots de passe quasiment les mêmes. Ils ont quelques mots de passe parce que la capacité de mémorisation des mots de passe est limitée. Alors, si on utilise un gestionnaire de mots de passe, on peut contourner ce problème-là et générer des mots de passe différents pour chaque service en ligne et se protéger. Ben, avec CryptPad, en fait, nous, on reçoit jamais votre mot de passe. On ne le connaît pas. On l'a jamais connu. En fait, quand vous créez un compte sur CryptPad, vous choisissez votre nom d'utilisateur, vous choisissez votre mot de passe, et en fait, côté client, ce qui se passe, c'est qu'une clé est générée, il y a une dérivation de clé qui est générée entre ces deux informations pour obtenir des informations cryptographiques et des ID, et cette ID va correspondre à des données sur notre serveur. Donc on a vos données chiffrées sur notre serveur, mais en fait, on ne connaît pas l'utilisateur et le mot de passe qui ont permis d'obtenir la clé correspondant à ces données. Donc c'est un algorithme qui s'appelle Escrypt qui est utilisé pour faire ça et qui permet de faire de l'authentification. C'est une façon de faire de l'authentification sur notre service sans que nous on connaisse aucune information liée à votre processus d'authentification. Est-ce que c'est-à-dire qu'on peut plus changer son mot de passe ? Alors le changement de mot de passe est techniquement, alors je sais plus si on l'a fait ou pas, ça fait partie des choses qu'il faut faire. Ben, il est faisable, mais par déplacement du bloc de données. C'est-à-dire qu'en fait, vous décidez de changer votre mot de passe. Ça consiste à prendre vos données, à récupérer votre fichier qui contient vos données sur le serveur, à créer un nouveau mot de passe et envoyer les données à l'endroit correspondant à ce nouveau utilisateur mot de passe. Donc on crée un nouveau document, on déplace le document en fait. Alors c'est pas le serveur qui le fait puisqu'il peut pas le déplacer, puisqu'il faut non seulement le déplacer, mais il faut le déchiffrer et le rechiffrer avec des clés différentes. Donc ça passe forcément par le client. Donc le serveur ne peut pas déplacer vos données, ne peut pas changer votre mot de passe. Un autre point, et c'est beaucoup d'utilisateurs nous disent j'ai perdu mon mot de passe. Bon, déjà c'est foutu, on peut rien pour eux. Et puis ils nous disent j'ai perdu mon mot de passe, mon email c'est ça. Mais en fait on connaît même pas leur email. Et ils pensent qu'on connaît leur email parce que c'est ce qu'ils ont choisi comme nom d'utilisateur. Ils choisissent leur nom d'utilisateur, ils mettent l'email dedans. Et en fait, on leur a dit. Et donc maintenant, on a rajouté une notice en disant vous mettez absolument ce que vous voulez. Vous n'avez pas besoin de mettre un email là. Hein. C'est pas votre compte. Et surtout, il n'est pas envoyé chez nous. C'est pas une inscription en fait. C'est en gros, c'est pas un processus d'inscription. Donc on n'a pas besoin de faire de RGPD en disant. On a reçu aucune donnée personnelle à ce moment-là, ou en tout cas, quand les données qu'on va recevoir, elles vont être chiffrées et on est incapable de les lire, donc on peut pas les exploiter. Après, on a d'autres algorithmes spécifiques pour la collaboration temps réel, dans les éditeurs de texte riche, appliquer les changements qui viennent des différents documents. On a des algorithmes pour synchroniser du JSON. Donc, par exemple, un Kanban, c'est un fichier JSON.
C'est des tâches, en fait, c'est des blocs, avec des, donc c'est des données qui sont stockées en JSON, et on synchronise un fichier JSON, et ensuite on réaffiche les données. On a aussi un algorithme pour faire une boîte de messages chiffrés, donc on a une sorte de messagerie à l'intérieur de CryptPad. Une fois que, si vous connaissez un autre utilisateur dans CryptPad, donc si vous connectez à lui par CryptPad, nous on ne saura toujours pas que vous l'avez fait, si vous êtes connecté à un autre utilisateur, vous allez avoir sa clé publique, clé privée. Il y a une clé publique, clé privée qui est générée à l'intérieur de CryptPad, et vous allez pouvoir lui envoyer des messages personnels dans une boîte, et c'est avec ça qu'on fait des notifications aujourd'hui ou le partage d'un pad. Donc vous avez créé un pad, vous voulez le partager avec un utilisateur, vous allez lui envoyer un message chiffré qui va recevoir dans une boîte de notification pour recevoir les choses. Alors un autre point qui est intéressant c'est avec CryptPad, c'est que le serveur fait peu de choses. Oui ? Alors, effectivement, c'est le problème. Aujourd'hui, on n'a pas encore un système spécifique pour faire ça. Une façon de faire assez simple, c'est vous commencez par partager un pad anonyme. Donc, vous créez un pad, vous donnez l'URL par n'importe quel canal, sécurisé ou pas. Mais comme vous allez le créer que pendant très peu de temps, en fait, vous créez un pad et à ce moment-là, les deux, vous avez un pad chacun et vous voyez qui est connecté. Là, vous êtes anonyme et moi, par exemple, Ludovic, j'ai un compte. Donc Ludovic est avec Anonyme, je sais que je viens de le partager avec vous, donc je sais que c'est effectivement vous. Ben là, je dis, ça ne sera pas marqué Anonyme, pardon, il y aura marqué Jean-Paul, s'est connecté parce qu'il a créé un compte sur CryptPad. Là, je connecte et j'échange la clé publique, clé privée. Et à partir de là, c'est fait. Et là, maintenant, je peux envoyer un nouveau pad par le système CryptPad plutôt que le système. Alors, on a prévu de faire un système d'invitation à base de pads temporaires qui vont être valables pour 10 minutes ou une heure avec un mot de passe par exemple. Donc l'idée c'est on va créer une invitation, ça va créer un élément sur le serveur, on donne l'URL à la personne ou alors un code, on lui dit un code à 6 chiffres et il se connecte, il récupère, on lui dit au téléphone tiens je t'ai invité avec le code 372266. Et boum, ça récupère cette information et ça connecte les gens automatiquement. Donc on peut faire ce type d'algorithme. Et, alors aucun n'est parfait en fait dans ce genre de choses parce que en fait ils vont toujours être basés sur le fait qu'on a une information qui est privée pendant un petit moment. Si quelqu'un volait cette information sur un canal non sécurisé, l'intercepter à ce moment-là, il pourrait devenir la personne à qui vous croyez avoir envoyé l'information. Mais si vous la donnez par téléphone, a priori, vous donnez une URL par email et un code par téléphone, les deux informations sont séparées, elles ne peuvent pas être volées. Mais donc vous avez besoin d'initier, ça fait partie des problèmes, des complexités, d'initier la collaboration sécurisée. Alors, est-ce que CryptPad est complètement zéro knowledge? Il y a des informations qu'on a et qu'on ne peut pas complètement éviter d'avoir. Donc, par exemple, aujourd'hui, on a les IP de connexion. Alors, après, charge aux utilisateurs de protéger leur IP, par exemple. Ils peuvent décider d'utiliser un système comme Tor, par exemple, pour protéger leurs IP. Bon, nous, on les a. Aujourd'hui, on les utilise, par exemple, on fait des statistiques pour savoir d'où viennent, de quel pays viennent nos utilisateurs, combien d'utilisateurs sont venus, etc. Ça nous permet de faire quelques statistiques. On a aussi des identifiants de clés de personnes authentifiées qui sont associées aux documents chiffrés. Donc on a sur le serveur, on a quelques informations entre le document qui est sur le serveur et l'ID de l'utilisateur chiffré. Mais on ne sait pas qui c'est. Voilà. Potentiellement, on pourrait relier cet ID à l'IP et on pourrait... on ne le fait pas. C'est-à-dire que c'est deux informations qui sont séparées, mais techniquement, on les a reçues. On a reçu un lien entre l'IP et l'ID et on a reçu un lien entre l'ID et les fichiers. Donc potentiellement, on peut dire ces fichiers-là chiffrés correspondent à telle IP. On pourrait le savoir. Maintenant, on perd l'information au moment après qu'elle ait eu lieu. Donc on ne la stocke pas. Les seules informations qu'on garde aujourd'hui, c'est les logs des serveurs Apache qui nous permettent de faire des statistiques pour savoir le nombre d'utilisateurs et ce genre de choses. En anonymisant, en enlevant la fin des IP pour réduire l'identification des personnes.
Et on garde aussi, on a aussi des événements qu'on stocke au niveau CryptPad. C'est-à-dire quand on clique des éléments dans l'interface, on fait des requêtes au serveur pour savoir que telle ou telle fonctionnalité est utilisée. Donc on a instrumenté quelques fonctionnalités pour pouvoir analyser le comportement des utilisateurs et essayer de voir quelles sont les fonctionnalités les plus utilisées à l'intérieur de l'outil. Parce que sinon, en fait, si on faisait pas ça, on a aucune information côté serveur. Donc, si on n'avait pas ces événements qui sont créés, alors les gens peuvent faire un opt-out de l'aspect événement s'ils veulent pas que ces événements soient remontés. En gros, typiquement, ça nous permet de savoir quel type de pads sont utilisés, est-ce qu'ils ont telle ou telle capacité technique dans leur navigateur, ce qui est important pour nous pour les aspects techniques, est-ce qu'ils ont utilisé la fonctionnalité Teams, ce genre de choses. Donc c'est l'API de feedback, on appelle ça l'API de feedback. Maintenant, notre objectif, on exploite cette donnée uniquement pour la compréhension de l'usage et pour essayer d'améliorer l'outil. Elle est exploitée pas au niveau individuel, elle est exploitée au niveau collectif, en fait, par le nombre, etc. On fait aussi on a un sondage auquel les gens peuvent répondre pour répondre à des questions sur l'usage de CryptPad, ce qui nous aide aussi à le faire. Bon, ça, c'est uniquement s'ils le souhaitent. Alors, quelles sont les fonctionnalités disponible dans CryptPad. On peut accéder sans compte à un pad. Donc on peut créer un document sans compte. On crée une URL. Alors il y a quelques fonctionnalités qui ne fonctionnent pas avec ça. On ne peut pas créer une feuille de calcul aujourd'hui dans l'outil CryptPad sans compte. Et on ne peut pas créer un fichier sans compte. Alors une des raisons, on a fait ça pour éviter d'avoir des quantités de contenu énormes et pour maîtriser un peu la création automatique. On ne veut pas que l'outil soit utilisé pour du piratage ou pour des partages de fichiers en grand volume sur ce type de choses. Donc on oblige la création d'un compte pour mettre un fichier sur le serveur CryptPad. On a donc 7 ou 8 types de pads, donc documents WYSIWYG. Donc je peux d'ailleurs le montrer, ça peut être plus simple. Pad, c'est l'acronyme de quoi ? Pad ? Oui. C'est pas un acronyme, ça veut dire, en anglais, ça veut dire tablette, quoi. En fait, c'est un mot, ça a été utilisé par Etherpad en particulier. Un pad, c'est un endroit où on peut écrire. D'accord. Voilà, j'écris sur un pad. C'est plus un mot anglais. Alors, est-ce que c'est un acronyme ? Je crois pas. Il me semble que c'est un mot anglais. Ouais. Donc, si je vais sur... Pourquoi il veut pas, là ? Attends, hop. Voilà. Donc là, je suis sur mon drive. Je peux... donc, j'ai un compte... mais en fait je pourrais le faire donc si je le fais en navigation privée je suis un utilisateur sans compte, en fait ici je peux créer un pad, voilà. Donc là en fait je crée un document et là maintenant je peux taper et j'ai un document et cette URL si je la transmets à quelqu'un dans un canal sécurisé il va pouvoir voir le même document. Hop. Ici. Voilà. Donc maintenant, si je tape ici, ça apparaît de l'autre côté sur ce type de document. Donc à chaque fois que j'ai tapé quelque chose, ça a généré un patch qui a été mis sur le serveur chiffré, récupéré par l'autre navigateur, déchiffré, réappliqué sur le document. À chaque caractère, ça le fait de... Alors ça se fait, c'est pas à chaque caractère, ça dépend un peu à la vitesse à laquelle vous tapez, mais c'est très rapide, oui. C'est s'il faut... Si je tape une phrase, ça va pas attendre plus de 2-3 secondes pour envoyer quelque chose. Donc si ça dépend un peu à la vitesse à laquelle on tape. L'idée, c'est qu'on le fait très rapidement pour que en fait réduire au maximum les risques de conflit. En fait, plus les patchs sont petits, moins il y a de conflits et mieux c'est. Donc maintenant, si par exemple je prends ce pad ici. Et je l'ouvre dans mon autre navigateur pas sécurisé, pas session anonyme ici. Il devrait me proposer. Ah oui, il l'a rajouté automatiquement en fait. Donc maintenant, en fait, il est arrivé dans mon drive.
Donc si par exemple je modifie ici le titre du document, voilà. test doc. En fait, ce qui se passe là, c'est que ce document qui est aussi ouvert dans mon navigateur ici, donc ce document sait que il est ouvert, il fait partie de mon drive. Donc là, le titre a été modifié, j'ai reçu l'information que le titre a été modifié. Et comme ce document est ouvert, il va aussi informer le drive que le titre a été modifié. Si je n'avais pas ce document ouvert, mon drive ne bougerait pas. Il ne serait pas au courant que le document a été modifié. Donc il ne va pas être informé parce qu'il ne peut pas le savoir. Le serveur le sait, mais il ne sait pas qu'il est lié à ce drive, donc il ne peut pas savoir. Là, en fait, c'est par le client que s'est passé le fait que j'ai modifié le titre du document. Donc dans mon drive, le titre du document est mis à jour. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que ça a informé mon drive que le titre du document a changé. Donc ça a mis à jour aussi mon drive pour mettre à jour le titre du document dans mon drive, qui lui-même est un document chiffré qui est sur le serveur. Donc ici, alors après, je peux créer maintenant d'autres types de documents. Donc je peux créer une feuille de calcul. Alors quand je crée un pad, je peux lui donner une date d'expiration, c'est-à-dire qu'il est éphémère. Je peux aussi lui mettre un mot de passe spécifique qu'il faut connaître, alors qu'il va être stocké dans mon drive pour éviter que je la retape à chaque fois, mais qui fait que si quelqu'un avait l'URL, il ne pourrait pas rentrer sans avoir ce mot de passe spécifique. Donc c'est une sécurité supplémentaire pour protéger l'URL d'Ulpan. Donc je crée par exemple le document ici, et là j'ai une feuille de calcul compatible Excel, donc je peux faire des chiffres, 1, 2... égale somme. Hop. 25. Et là, en fait, quand je modifie le document, ben, ça a envoyé sur le serveur, c'est chiffré. Et si j'ouvre ailleurs ce document, ici par exemple, je vais aussi avoir. Ah voilà. Alors, donc, par contre, aujourd'hui, on ne peut pas accéder à une spreadsheet, à une feuille de calcul sans compte. C'est une limitation qui va être levée dans quelques temps. On pourra accéder, on ne pourra pas en créer, mais on pourra accéder à un document spreadsheet sans compte. C'est une limitation technique, il y a des raisons derrière pourquoi on ne peut pas le faire aujourd'hui, mais ça sera levé dans le courant de l'année à venir. Donc après, je peux aussi créer d'autres types de documents. Donc je peux par exemple faire un Kanban. Donc ici, on peut le faire. Hop. Donc je peux créer des petites tâches ou créer des blocs. Et ici, je peux changer le texte, je peux changer la couleur du truc. Et tout ça, c'est pareil, temps réel, si j'ai ouvert le document ailleurs. Alors, je peux partager ce document. Donc là, on a une fonction de partage. Et dans les fonctions de partage, on a quelques spécificités. On peut partager un document en lecture seule. Donc on va donner uniquement le droit de visualiser le document. Donc on a deux clés pour chaque document, une clé de visualisation, une clé d'édition. En fait, la clé d'édition, c'est une signature des modifications. Uniquement les éléments signés seront acceptés comme valides. Donc si on n'a pas la clé de signature, on ne peut pas envoyer une modification. Et on a quelques options pour créer des URL, pour regarder le document, mais sans l'interface de CryptPad d'édition, donc uniquement pour visualiser. C'est ce que j'utilise par exemple pour la présentation, où je n'ai pas l'interface de CryptPad, j'ai juste la présentation, le document de présentation directement dans l'outil. Donc je peux ouvrir ça dans un nouveau tab, et je peux l'envoyer à quelqu'un spécifique. Donc par exemple ici, je peux partager le document. En fait, si je partage un document, ben en fait, il va apparaître ici. La personne sur l'autre compte va avoir une notification qui dit « Vous avez reçu un document ». Il clique dessus, le document rentre dans son drive. Tout s'est passé de façon chiffrée, tout l'échange a été chiffré de bout en bout entre les deux utilisateurs. Alors, une autre... Tu as cliqué à côté, tu t'es trompé, tu vas enlever le partage de la personne. Tu veux annuler ? Ouais. Le partage. Alors aujourd'hui, c'est pas encore possible ce genre de choses. La révocation d'accès n'existe pas. À partir du moment où tu as envoyé l'URL à quelqu'un, tu lui as donné. Donc là, si tu t'es planté, bah, vite enlève tes data, efface le pad, recrée à nouveau. Ça sera possible dans le futur. On va faire des fonctionnalités dans cette direction-là. Alors il y a plusieurs aspects. C'est de faire des fonctionnalités où on va bloquer l'accès à un pad.
mais par le serveur. Alors, c'est des fonctionnalités qu'on n'aime pas trop parce qu'on ne veut pas se baser trop sur le serveur pour réaliser de la sécurité. Et l'alternative à ça, ça serait tout chiffrer avec des clés publiques, clés privées. Et là, le problème, de toute façon, il faut tout rechiffrer si tu veux annuler l'autorisation de quelqu'un. Donc ça, ça fait partie des choses sur lesquelles on travaillera dans le futur, mais c'est plus loin parce que c'est plus complexe. On le met en œuvre pour ce qu'on appelle la fonction Teams. Donc la fonction Teams, c'est une fonction de groupe de travail. Donc ici, si je clique sur Teams, en fait, j'ai le droit à 3 Teams dans CryptPad. Et donc là, par exemple, j'ai le Teams CryptPad Squad. Et il a un drive, il a un chat et il a des membres. Et donc là, on peut inviter et on peut aussi révoquer les accès. Alors quand on révoque les accès, on va pas rechiffrer tous les documents qui sont dans le drive, ce qu'il faudrait faire en théorie, parce que si quelqu'un a eu accès à un moment donné, il peut tout télécharger les adresses des documents et il a tous les droits, il aura tous les adresses. Bon, on va juste arrêter de lui donner accès à ce document-là, le drive actuel, mais on va pas lui enlever les accès des documents auxquels il a accès. Dans le futur, on vise à faire des sécurités côté serveur pour dire, ben, une fois, si on révoque l'accès au drive, on veut aussi révoquer l'accès à tous les documents qui sont sur le serveur. Et c'est pas qu'on révoquera pas les clés de chiffrement des documents, on révoquera l'accès aux données chiffrées. Mais c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas le même niveau de sécurité. C'est-à-dire que il pourra plus récupérer les données chiffrées parce que le serveur va les protéger. Mais parce que sinon, il y a qu'une seule solution, il faut tout rechiffrer, toutes les données. C'est ce que font d'ailleurs les gestionnaires de mots de passe. En fait, les gestionnaires de mots de passe, ils font du rechiffrement dès qu'on enlève un accès à un mot de passe. C'est plus facile sur des mots de passe, c'est peu d'informations. Là, sur des pads, c'est beaucoup plus compliqué. On a des quantités de données beaucoup plus importantes. On a y compris des historiques. Donc, ça pose tout un tas de questions sur qu'est-ce qu'on rechiffre. Est-ce qu'on efface l'historique, on rechiffre juste les documents finaux, etc. Aujourd'hui, on peut pas. Ça fait partie des choses. On peut déplacer un. En fait. On peut déplacer un pad, c'est-à-dire que si on change par exemple le mot de passe d'un pad, ben, en fait ça le déplace. Donc il va l'endroit où était le document avant disparaît et il est remplacé par un autre endroit. Bon, mais on a un travail encore très important sur toutes ces possibilités-là qui sont beaucoup plus compliquées à réaliser sur un environnement comme CryptPad que sur un Google Docs où c'est très simple. Sur un Google Docs, c'est le serveur qui vérifie tout. Là, vous avez le droit. On dit je veux plus donner accès à Jean-Paul. Le serveur va dire bah, Jean-Paul, il n'a pas le droit d'accéder. Il connaît Jean-Paul, il bloque l'accès. Nous, on fonctionne différemment par rapport à ça. Alors, je vais accélérer un petit peu parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Hop, je reviens sur ma présentation. Je ne sais pas où elle est. Ah, ici. Donc là, je vais passer un peu ces éléments-là. Puisque j'ai fait une petite démo de l'outil. J'ai perdu mon truc. Ah. Bon, faut que je saute. Ah, donc là, c'est bon, des screenshots des différentes fonctionnalités. Donc on a un pad WYSIWYG. Le pas de présentation, donc ça ressemble à ça. Et quand j'édite, je crée ma présentation en textuel à côté et j'obtiens ce que ben, je viens de faire là, ce que je vous montre là, une présentation qui s'affiche. On a un petit sondage, donc l'équivalent d'une fonctionnalité Doodle. On peut faire un petit sondage auprès des utilisateurs. On peut mettre des fichiers, donc des images par exemple. Donc ici, une image dans un pad. Donc il suffit de. On clique, soit on drag and drop, ça rajoute l'image dans son drive et ça la met dans le document. Soit on clique sur en fait, la petite image qui est ici, là. Et on va chercher les images qu'on a déjà dans son drive. Donc un Kanban, les spreadsheets, j'ai montré cet exemple. Alors, quelle est notre vision sur le futur? Ben, c'est de protéger les contenus des gens et d'assurer la confidentialité des informations et de développer une solution libre qui soit durable. Donc, ça pose le problème de comment on finance ce projet. Notre objectif, c'est de faire une plateforme ouverte à des applications tierces. Et on est aussi intéressé par le fait d'aller vers de la décentralisation. C'est-à-dire que potentiellement, là aujourd'hui, on a un serveur centralisé qui stocke.
Mais l'idée, ça serait de voir, c'est de développer, de voir comment on pourrait avoir des serveurs différents. Et en fait, un utilisateur se connecte sur un serveur, un autre utilisateur sur un autre serveur, et ils peuvent échanger un document entre ces deux serveurs. Donc des fonctions de décentralisation. Pour le moment, on ne les met pas en œuvre parce que c'est compliqué. Ça crée tout un tas de risques et de problèmes supplémentaires, comme la synchronisation des différentes versions des serveurs, donc on risque d'avoir des algorithmes qui sont plus à jour. Là aujourd'hui, en fait, on lit le code qui va gérer le côté client est automatiquement compatible avec le serveur et les données qui sont dessus, et donc on met à jour tout ça ensemble, et voilà. Si on a plusieurs serveurs, ben on peut plus garantir la mise à jour simultanée de tout le système, et donc on tombe sur des problèmes plus complexes. Et comme l'équipe est petite, on veut pas pour le moment créer des complexités qui nous empêcheraient d'avancer vite sur les fonctionnalités qui sont clés. Alors, quelles sont les choses qu'on ne fait pas aujourd'hui? Par exemple, en termes de sécurité, on ne garantit pas que le code JavaScript qui est envoyé par le serveur, il ne soit pas malicieux. Potentiellement, il pourrait être hacké, et dans ce cas-là, comme il est exécuté sur le client, il pourrait voler les données et les envoyer. Donc ça, c'est une sécurité qu'il faudra faire dans le futur. C'est protéger contre vérifier que le code n'a pas été altéré. Le code qui sert à déchiffrer n'a pas été altéré, ça fait partie des choses qu'il faut faire, c'est pas si simple. Une première approche, c'est de faire une application cliente avec le code et qui bouge plus, mais ça pose des problèmes. Après, on a la protection des clés qu'on a sur son device, il faut améliorer aussi cette protection. Aujourd'hui, on privilégie la simplicité, c'est-à-dire qu'on considère que votre device doit être sécurisé et que en fait, ben, on va stocker vos clés sur le local storage du navigateur. Il ne faut pas que celui-ci soit volé, puisqu'il contient vos clés d'accès à tous vos documents. Fournir une application mobile et desktop, ça fait partie des choses qu'on voudrait faire. Et avoir un serveur qui puisse avoir une scalabilité de 10 fois. Aujourd'hui, on a plus de 20 000 utilisateurs par semaine, ce qui est déjà pas mal, sur un serveur. On sait que si on multiplie par 100, on commencera à avoir des problèmes côté serveur et ça nous obligera à faire des modifications pour scaler. Mais ce qui est très intéressant avec Cripat, c'est que c'est très scalable. C'est-à-dire que l'infrastructure serveur nous coûte très peu cher parce que le serveur fait peu de choses. Par rapport au nombre d'utilisateurs qu'il y a derrière un serveur. Alors, on voudrait aussi travailler sur la modularité, ça fait partie des choses qu'on voudrait faire, et après avoir aussi un App Store d'applications. Alors, là, notre roadmap actuel, c'est de finir la fonction Teams, pour laquelle on a reçu un financement, et on a des invitations, qui est une des fonctionnalités qu'on prévoit de développer. Et après, et aussi l'audit des accès, donc savoir qui a accédé à tel document. Ça fait partie des choses qui sont en cours de développement. Après, ce qu'on prévoit de faire, on a reçu un premier financement de NLNet, et on a demandé un second financement, et un des objectifs, c'est de travailler principalement sur les fonctionnalités qui nous ont été le plus demandées par les utilisateurs. Donc une des choses les plus demandées, c'est les annotations sur les documents. Des access control renforcés au niveau du serveur, de pouvoir ouvrir une spreadsheet, une feuille de calcul en mode view, des améliorations autour du Kanban. On va aussi travailler sur la modularité pour justement, en fait, la modularité du code va nous permettre aussi de faire une appli mobile, ce qui est une complexité aujourd'hui, de packager l'appli en version mobile ou desktop. Et travailler sur la scalabilité 10 fois, parce que si l'usage continue à grandir à la vitesse où il grandit aujourd'hui, bah, ça finira par arriver, parce que les statistiques, c'est ça. En fait, ça, c'est à peu près un an. Donc l'année dernière, quand je suis venu à Capital du Libre parler de Cripat, on était là. Et donc, en fait, on a une croissance vraiment importante de l'usage. À droite, c'est la liste des pays. Les couleurs, en fait, correspondent à des pays. Et en fait, notre plus gros pays aujourd'hui, c'est l'Allemagne. C'est les plus gros utilisateurs de CryptPad. La France, c'est celui-là, je crois. Ça, c'est la France, ça, c'est les États-Unis. Et ça, c'est l'Allemagne. Donc, en France, on pourrait avoir plus d'usages. Mais nul n'est prophète dans son pays, comme on dit. Mais donc, c'est en Allemagne aujourd'hui que CryptPad a le plus fort développement. Mais il est utilisé dans 150 pays. Donc on voit de temps en temps des pays où il y a des gros usages. Là, il y a par exemple ici, là le petit bloc là, c'est Hong Kong, un pad qui a été partagé pendant les manifestations à Hong Kong pour donner des moyens de se protéger de la police. Donc on voit que ce type d'outil peut aussi servir à des activistes.
pour se protéger. Donc c'était un usage assez éphémère. En fait, en une journée, il y a 4000 personnes qui ont accédé à un pad. Donc on a un peu deux types d'usages dans CryPad, des usages réguliers et puis des gens invités sur des documents qui ont été créés. Ça, c'est l'usage des pads, à peu près la même courbe. Ça, c'est l'usage du drive. Donc les gens, en général, qui ont créé un compte, qu'on voit, les types de pads. Donc c'est le WYSIWYG le plus utilisé. Je partagerai la présentation sur les Mastodon pour ceux qui voudront voir plus d'informations. Alors les installations, on a 300 installations de CryptPad, donc ça monte régulièrement, donc des installations indépendantes de l'outil. Voilà. Et alors je voulais parler un tout petit peu des personnes qui sont derrière. Moi je suis le PDG d'XWiki. Je fais pas grand chose sur CryptPad, je fais plutôt de la communication autour de l'outil, puisque autrement je gère la société XWiki. Mais l'équipe de CryptPad actuellement c'est 3 personnes. Aaron qui est le tech lead, Yann qui est celui qui développe le plus les fonctionnalités. Et depuis peu on a un spécialiste UX qui a été embauché. Qui vient d'arriver. Donc c'était 2 personnes toute cette année, maintenant c'est 3 qui bossent dessus. Alors le rôle de XWiki, c'est que on apporte un peu l'expérience qu'a XWiki dans le logiciel libre sur comment réussir à faire ce type de produit. Et en fait, CryptPad au départ, c'est un projet qui a été créé dans le cadre de projets de recherche de la société XWiki. Alors rapidement parler du financement. On a en fait un financement européen de NLNet qui nous a donné 50 000 euros. Et donc autrement, on a des souscriptions sur CryptPad.fr, donc des gens qui prennent un abonnement pour dépasser 50 mégas. Et autrement, des donations sur Open Collective. On a à peu près 2/3, 1/3 entre souscription et donation. Mais ça représente aujourd'hui que 10 000 euros, ce qui n'est pas grand-chose par rapport à la capacité de payer 3 développeurs, 3 personnes. Donc on a aussi le Crédit Impôt Recherche qui nous finance. Et au début de l'année, on était encore dans le cadre de notre projet de recherche. Donc grosso modo, on arrive à peu près à équilibrer. Il nous manque quand même 20 000 euros pour complètement équilibrer. Et donc, entre autres, un projet NLNet a été déposé de continuation du financement européen qu'on a déjà eu pour cette année, et puis pour commencer à financer l'année prochaine. Mais on a plus de 200 personnes qui finalement nous donnent un petit peu d'argent, soit pour utiliser CryptPad.fr, soit pour financer... soit pour faire des donations et financer du développement. On a aussi quelques organisations qui ont donné des montants un peu plus importants, 500 euros par exemple. On a le Chaos Computer Club de Vienne qui gère une instance qui nous a fait une première donation de 300 euros l'année dernière et de 500 euros l'année d'après. Alors c'est pas des gros montants, mais en fait ce qui est important là-dedans, c'est plus un trend. Nous, notre calcul, c'est on a mis tout ça en place parce que on voulait aussi mesurer qu'est-ce qu'on avait besoin de faire pour pouvoir arriver à le rendre complètement soutenable. Notre analyse, c'est qu'en fait il faut multiplier par 10 déjà pour équilibrer. Si on multiplie par 10 encore l'usage qu'on a aujourd'hui, ben normalement la partie donation et achat de souscription devrait aussi monter par 10. Et puis, il faudrait plutôt monter par 20, par 50 pour commencer à avoir des moyens supplémentaires pour pouvoir développer très activement. En attendant, on a besoin de subventions type les projets européens, et c'est ce qu'on fait, ou de trouver le financement. Voilà un peu le tour. Je vais pas parler de ça, c'est l'équilibre de 2020. Mais si ça vous intéresse, ben, de toute façon, les slides seront sur Internet. Et nos finances sont sur GitHub, donc vous pouvez aller voir justement ces informations sur combien ça coûte, qu'est-ce qu'on fait de l'argent, qu'est-ce qu'on planifie de développer. On essaie de communiquer régulièrement aussi sur Open Collective sur ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Attends, le micro arrive. Est-ce que vous avez fait un audit externe du code de CryptPad, notamment pour vérifier que la partie cryptographique est de qualité ? Alors, pas encore. Alors, on utilise des librairies cryptographiques sérieuses, TweetNACL, Scrypt, qui, elles, alors je ne sais pas si elles ont reçu des audits, mais elles sont utilisées de façon assez importante.
Et dans le cadre de Nelnet, il est prévu des choses au niveau sécurité. Donc, dans le cadre de la subvention, ils doivent aussi nous donner du temps de personnes pour faire une analyse. Est-ce que ça sera un audit formel? C'est pas sûr. On n'a pas encore les détails là-dessus. Ça fait partie des choses. S'il y a des gens qui savent faire ça, ça nous intéresse aussi. Évidemment, on n'a pas beaucoup de moyens, donc c'est aussi un problème de moyens. Mais s'il y a des gens qui veulent y jeter un œil pour analyser, faut venir nous voir. Ça nous intéresse. Mais oui, il faudrait le faire. Après, c'est une question de moyens. C'est quand même pas donné. On a aussi pris contact avec Lanzi, voir qu'est-ce que proposait Lanzi. Bon, ça reste assez coûteux et complexe. Donc, pour le moment, on n'a pas encore les moyens de faire ça. Mais donc, le code est libre, donc vous pouvez regarder. Mais effectivement, ça fait partie des risques, c'est qu'on soit planté sur la façon de faire. Alors, on chiffre vraiment très tôt dans le système, donc on chiffre très tôt dans le système avec une clé symétrique, avec un algorithme. Par contre, effectivement, il faudrait voir qu'on n'a pas fait d'erreur d'implémentation sur cette partie-là pour que les clés soient pas devinables facilement. Non ? Si ? Là, vous pouvez voir aussi comment vous pouvez nous aider pour le faire connaître, hein, c'est important. Vous pouvez aussi aider sur la documentation. Alors, ma question porte sur l'installation de CryptPad. Donc, si je veux tourner une instance, donc, quelle base de données je dois prévoir ? Il n'y a pas de base de données. En fait, tout est en système de fichiers. Ça s'installe avec... Il faut juste Node.js pour le serveur et donc NPM et Bower. En fait, c'est trois lignes. Vous faites git clone... NPM install, Bower install et NPM run et votre CryptPad, votre instance CryptPad tourne. Les plus gros problèmes que les gens ont, c'est quand ils veulent mettre un front-end Nginx ou Apache, Nginx en particulier, ils n'arrivent pas toujours à configurer le front-end. En fait, CryptPad peut marcher sans front-end directement. Et par contre, pour configurer un front-end Nginx, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a quelques informations de sécurité qu'il faut indiquer, qu'il faut modifier pour que les fonctionnalités de CryptPad fonctionnent. Donc, il y a des docs, justement, il y a une configuration Nginx exemple, mais on a vu qu'il y avait des gens qui avaient des difficultés un peu avec ça. C'est la seule chose qui pose difficulté aux gens. Après, vous pouvez venir sur le channel Matrix et IRC. CryptPad, le channel, et si les gens ont des difficultés, on peut toujours les aider. D'accord. Je posais cette question parce que j'ai vu qu'il y a l'évocation de MongoDB et de LevelDB dans la documentation. Non, c'est vieux, ça, en fait, c'est quelque chose qui devrait être dégagé de la documentation. À un moment donné, on envisageait de faire du stockage sur MongoDB ou un truc comme ça, mais en fait, on ne le fait pas. D'accord. Donc, c'est du flat file. Et c'était quoi l'autre MongoDB et LevelDB. Non, c'est c'était une idée à un moment donné où ça a peut-être été fait au tout début de CryptPad, mais maintenant c'est plus, je crois que ça on n'utilise pas ça. On est vraiment en flat file system direct, en fait avec des arborescences à nous où on stocke les données chiffrées. Quelle puissance à peu près pour faire tourner l'instance ? Rien, que dalle. Ça tourne avec très très peu de ressources en fait. Nous, notre serveur qui gère 20 000 utilisateurs, il a deux cœurs et 2 gigas de RAM, je crois, ou 4. On est monté à 4 gigas de RAM, mais en fait, donc une instance toute petite, elle tourne dans 1 giga de RAM sans problème. Elle tourne avec très très peu de ressources. En fait, le serveur fait vraiment très peu de choses. Là, par exemple, notre serveur, il a à peu près 300 utilisateurs simultanés. 300 connexions permanentes, c'est des WebSockets. Donc 300 connexions simultanées et 1300 pads ouverts à un moment donné. Si j'ouvre les stats, en fait, on peut le voir dans l'instance. Et ces accès-là correspondent à 20 000 utilisateurs par semaine différents. –
Ben, merci beaucoup. Donc, pour, si vous voulez aider, ben, vous pouvez venir voir sur le GitHub. Si vous voulez installer, c'est facile. Et puis, autrement, vous pouvez directement l'utiliser sur creeppad.fr.